C'est une coopération d'un nouveau genre que propose le club de tennis de table, le Denbon, dans le Morbihan. 4 jeunes malgaches sont actuellement accueillis au sein de la garde du Vœu. Le but de l'opération est de former des encadrants qui, par la suite, iront enseigner et promouvoir le tennis de table à Madagascar. Le pays connaît un grand engouement pour ce sport, malgré un nombre très faible de licenciés, faute justement d'éducateurs. Stéphane Izad, Johan Etienne. Ils sont 4 jeunes malgaches à avoir été sélectionnés pour cette première. Arena, Santa Chaizu, devant la table et raquette en main, Malala pour la communication future. Si vous faites le lancer vertical, il y aura beaucoup d'efforts à mettre dans le bras. Alors que si vous lancez la balle vers vous, il y a déjà de la vitesse dans la balle. Le ministère des Affaires étrangères, la région Bretagne et la garde du Vœu d'Enbon ont lancé l'opération Ping pour tous. Le but, en fait, c'est que d'utiliser le tennis de table comme un outil de développement durable. Donc vraiment, le ping-pong est un outil pour l'inclusion, l'éducation, la santé. Et donc on reçoit 4 jeunes malgaches qu'on va former au métier d'éducateur et ils vont revenir à Madagascar pour restituer tout ce qu'ils ont appris et mettre en place des programmes dans le cadre du programme Ping pour tous à Tana. Le tennis de table est un sport méconnu à Madagascar. Environ 300 licenciés pour un pays de 28 millions d'habitants. C'est pour cette raison qu'Arena a voulu participer à cet échange. On a besoin de formation parce que à Madagascar, c'est tout simplement pour les professionnels, mais ce n'est pas vraiment public. Les jeunes stagiaires sont confrontés à toutes sortes de situations. Encadrement des écoles ou personnes plus âgées en recherche d'apprentissage. Hein ? Là, tu vois, au début, c'était vraiment très bien. Et après, hop, ils commencent à faire une faute, deux fautes. Le tout sous l'œil d'un tuteur qui les fait bénéficier de son expérience et de ses méthodes pédagogiques. On les sent même plus à l'aise envers les publics qu'ils peuvent avoir, que ce soit sur le club, sur le sport santé, sur le sport adapté. Voilà, on sent qu'ils commencent à prendre aussi leur marque. Donc maintenant, c'est plutôt positif et on espère que ça va continuer. Dans le même temps, un éducateur du club est parti à Antananarivo poser les bases d'un développement futur du ping sur l'île africaine. Frédéric, l'éducateur du club, va rester là-bas un an et va un petit peu débroussailler tout le contexte là-bas pour former des éducateurs, pour construire des tables artisanales et pour faire des partenariats avec des structures avec qui on va travailler. Dans le bureau d'à côté, sous l'œil de Fabien, Malala s'initie à la communication et à la recherche de sponsors. Les mails qu'on envoie aux partenaires avant match, où là on présente le match, mais on peut en même temps aussi faire un rappel dessous en mettant voilà, n'oubliez pas de vous inscrire. Pour le développement futur de l'activité sur la Grande Île, les finances seront une priorité. Il y a vraiment de l'engagement ici et le professionnalisme aussi, je trouve. Ici, on est vraiment dans un club professionnel. Tout ce qu'on fait, c'est très professionnel. Et ici, je pourrais avoir cette expérience-là que je ne pourrais pas trouver à Madagascar. Budget global de l'opération, 300 000 euros. L'expérience sera reconduite l'année prochaine, cette fois. Ce sera le Sénégal qui sera le partenaire de la garde du Vœu d'Enbon sur le projet Ping pour tous.